Hey, merci d'être venu. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Certains d'entre vous qui sont venus un peu plus avant, vous avez eu le temps de goûter au gâteau renversé à l'ananas que j'ai fait en petite partie pour que vous puissiez goûter. Ceux qui n'ont pas encore goûté, on arrive avec Beauport. On arrive aussi avec du vin et des bouchées. J'ai toujours une petite musique de fond pour agrémenter, c'est fun. On arrive aussi avec des bouchées et du vin pour vous. Pour votre. Pour boire. Sinon, ben c'est ça. Prochainement, ce qu'on va pouvoir goûter, c'est les douces. On va aussi pouvoir goûter les cupcakes. Pour faire un petit wrap-up, à ceux qui n'étaient pas là, en fait, j'ouvre ma compagnie. Donc, c'est la pâtisserie Borderline. Ce que je veux faire, c'est la distribution alimentaire. Dans les restaurants, dans les épiceries, je veux aussi pouvoir distribuer auprès d'organisateurs d'événements pour pouvoir satisfaire tous les densités de la ville de Montréal. Ici, je vais vous présenter un peu, c'est des douces. En fait, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des douces, c'est du sucre à la crème pour les Québécois. Chaque pays a leur manière un peu d'appeler ce petit dessert. C'est principalement du sucre. Agrémenté, d'une certaine manière. Nous, à la base, le douce, c'est un produit qui est haïtien, donc c'est un dessert qui est haïtien. Donc c'est des saveurs antillaises, soit noix de coco. Ce que j'ai décidé de faire, je vais pouvoir vous le présenter tout à l'heure, puis vous allez pouvoir goûter, j'ai décidé de faire une collection de Noël, pardon. Donc j'ai ajouté, j'ai une saveur à la canne de bonbons, j'en ai aussi au pain d'épices, j'en ai à la pacane, j'ai aussi avec de la noix de coco râpée, puis j'ai aussi la saveur traditionnelle. Donc quand je vais vous dire le goût, donc pas long, vous allez pouvoir y goûter. Pour le moment, on va refaire le tour avec le vin, les bouchées, le gâteau renversé à l'ananas pour ceux qui n'ont pas encore goûté. Dans le fond, vous avez aussi des prix, puis des concours, puis des packages. Il y a aussi moyen d'acheter certains produits si vous voulez en plus grosse quantité. Je vais passer avec le deuxième. En fait, il y a une personne qui passe à l'accueil pour prendre vos emails. Donc, donnez-le parce que ça vous permet de gagner des petits prix. Ben, un petit prix, en fait, ils sont tous pareils. Donc, c'est ça. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore donné, vous pouvez. Il y a Darcy qui s'en occupe là, ici. Merci. Donc, vous pouvez venir la voir pour donner votre email. Puis, si vous l'avez déjà, ben. Donc, ça termine par .com. OK. C'est gratuit, puis renversé à l'ananas. Bon, merci. Bienvenue. Beau mur pour prendre des photos, un genre de photobook à côté de maison. Fait que n'hésitez pas à prendre des photos, merci. Des photos avec moi ou entre vous. Isenda Simon. Et tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est passé et qui a pris vos emails en note. C'est pour un concours. Donc c'est pour une personne qui va le gagner. On n'a pas pris votre email. Inquiétez-vous pas. Il y a 3 tirages, donc on va venir vous voir. Donc, encore une fois, merci d'être venu. Ça me fait chaud au cœur. Pour ceux qui viennent d'arriver, je lance ma pâtisserie Borderline. Non, ce ne sera pas la boutique. Je ne vais pas avoir pignon sur rue. En fait, ce que je veux faire, c'est faire de la distribution auprès de commerçants, auprès de restaurateurs. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti une partie de ma collection que j'appelle Perles des Antilles. Donc, une partie, comme je disais tout à l'heure, c'est des douces. Mais il y a aussi mon petit côté de folie, soit les cupcakes que vous voyez ici, que vous allez pouvoir goûter. Il y a 3 saveurs. Donc, il y a celle, il y a blanc, il y a le gris, qui semble un peu douteux, et il y a le brun ici. Donc à gauche complètement, c'est lime et noix de coco. Au milieu, c'est cookie and cream. Et à droite, c'est ganache au chocolat, c'est du chocolat noir. Donc pour ceux qui aiment bien le chocolat noir, quelque chose de pas trop sucré, ils seront bien servis. Juste à côté, vous avez vu, j'ai servi... Excuse-moi. Merci. Juste à côté, j'ai servi du Belize et de la Dissarono. Puis ici, ce que j'ai, c'est ce qu'on appelle des pipettes. Ceux qui savent pas c'est quoi quand t'as des enfants, là, puis... Ouais, OK? You got me? Bon. Donc, ici, ce qu'on doit faire, c'est qu'on pèse sur la partie en haut, on le dip, puis là, ouh! Il y a une quantité d'alcool qui va être dans la pipette. OK? Fait que là, vous prenez votre cupcake, et là, celui qui va avec cookie and cream, c'est le Belize, ne vous trompez pas, s'il vous plaît. Vous prenez votre cupcake,
vous le versez soit dedans, ou vous pouvez aussi mettre dans votre bouche. En fait, c'est le mélange des deux qui va certainement être très apprécié. Vous pouvez faire la même chose aussi avec l'amaretto sour. L'amaretto sour va avec les cupcakes lime et noix de coco. Merci Greg. C'est bon? Puis pour celui au chocolat, vous pouvez venir me voir pour du rhum. Mais c'est fort. Je sais. C'est bon? Fait que dans le fond, la table est ouverte. Servez-vous. Je vais mettre les pipettes ici. Reste un peu de douce à goûter. Il ne reste plus de cupcakes malheureusement, mais allez-y, allez-y, prenez-en. Merci beaucoup d'être venu. Comme je dis pour ceux qui viennent d'arriver, ben c'est ça, je lance mon entreprise. C'est la pâtisserie Borderline. Dans le fond, c'est ça. Il n'y aura pas de magasin sur place, mais ce que je veux faire, c'est vraiment distribuer auprès des restaurateurs, auprès des traiteurs. Donc, j'espère que vous avez apprécié la soirée. J'ai vraiment apprécié vous voir partager ce moment-là avec moi. Fait que parlez-en autour de vous, partagez les photos. N'hésitez pas, si vous avez des commandes, si c'est pour Noël, des paquets cadeaux, pour des cadeaux pour les professeurs, comme visite, etc., ben, appelez-moi, textez-moi, écrivez-moi, suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Prenez une carte, prenez les crayons. Puis enjoy la fin de la soirée. On continue avec DJ Golden jusqu'à 3h du matin. Donc, si vous voulez rester, vous êtes les bienvenus. Puis, ben merci. C'est beau. So, comment est-ce que tu as trouvé la soirée? La bouffe était excellente, les gens. C'était super sympathique. Beaucoup de belles rencontres. L'ambiance? Oui, super ambiance. On a aimé ça. C'est bon. Et toi, comment tu la trouves? C'est très bon. C'est bon. Formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.